Joseph à l'appareil. Comment est-ce que je peux vous aider? Bonjour, Joseph! Oui? D'abord, Joseph, je tiens à vous féliciter. Vous faites de bel ouvrage, c'est... Il ne travaille pas cochon. Bon, excellent. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous aimez? Tu m'entends bien parce que là, présentement, je suis à la taverne. Aux tavernes, vous les utilisez? Ben oui, c'est ma taverne à moi, Joseph! OK. J'utilise le savon pour la vaisselle parce que je trouve qu'il fait de bel ouvrage. Écoute la façon dont il glisse sur la vaisselle. J'aime bien le petit grincement que ça fait. Ça me rappelle mes belles années de ma femme quand je donnais du plaisir au lit. OK, d'accord. Ma clientèle est unanime, d'ailleurs, dans ma taverne au niveau des produits. N'est-ce pas, les boys? Sur 10, vous donnez quoi? 5. 5.5. 5. Merci. Est-ce que vous en avez d'autres dans une autre couleur? Ah oui, il y a une autre qui s'appelle lavande. Un instant. Hey, les boys, il y en a dans une autre couleur. Yeah! Ah, OK. Ma sert aussi pour mon hygiène personnelle. Quand j'ai mauvaise haleine, je me gargarise avec du... OK. Pis ça, quand je fais ça, ça excite ma blonde. OK. Oh, Réjean, tu m'allumes quand tu sens la vaisselle. Ma belle Ginette, une belle petite femme potelée. Je ne sais pas ce que ça veut dire, potelée. Potelée, va te le dire honnêtement, Joseph, ça veut dire grossette du bas. C'est comme ça que vous l'aimez? Ah, je l'aime grossette! Mm-hmm. Toi, Joseph, t'aimes-tu ça, des petites femmes grossettes? Je ne peux pas. Vous savez, ils enregistrent tous les appels ici, hein? Es-tu assis sur des bols chinois? Est-ce que non, bonjour, Jojo? Pardon? C'est ça, je te dis, ça vaut une gorgée, ça. Je peux vous envoyer quelques bons, si vous voulez. Des bottes de sang? Oui. Attends un peu, je vais annoncer ça aux boys. Les boys vont pas avoir des échantillons! Yeah! Yeah! Est-ce que je peux prendre votre nom et adresse? Moi, c'est Réjean de Terrebonne. Ma femme, c'est Ginette de Très-Grosse. De Terrebonne? Hey, je vais être obligé de te laisser, Joseph, à Mexique. Ça arrive bien qu'une fois par année, tout se bien d'en profiter pendant que la lionne est sortie de sa cage. Absolument. Hey, toi, tu viens de comprendre la patente, mon Jojo. Passez une belle matin, hein? Bonne journée!